Guy Amquin, vous venez de passer 5 ans comme expert auprès du gouvernement éthiopien. Là-bas, vous êtes passionné pour l'art éthiopien. Et j'aimerais d'abord savoir si cet art, on le connaît bien. Non, cet art est plutôt mal connu. Et pourquoi ? Il est mal connu pour plusieurs raisons. D'abord, peu de choses nous sont parvenues de l'art éthiopien. Peu de choses du fait que de nombreuses choses ont été détruites, du fait des guerres, des dévastations des guerres, du fait du mauvais entretien de ces objets, de ces églises, du mauvais matériau très souvent utilisé pour ces constructions ou pour ces peintures, les supports, et aussi d'autre part, du fait de la difficulté d'accès des églises et des couvents en Éthiopie, et d'autre part du fait que l'Éthiopie est resté un pays peu connu des pays occidentaux, du fait que c'est un pays qui n'a été que très peu colonisé, enfin pratiquement pas colonisé. Il a toujours vécu à l'écart. Qui a toujours vécu à l'écart, voyez-vous. Alors de ce fait-là, on connaît très mal l'art éthiopien, et il ne nous est parvenu que très peu, on peut même considérer qu'on juge de l'art éthiopien à partir d'épaves. Depuis quand existe-t-il un art éthiopien? Et depuis quand connaissons-nous cet art? Cet art existe nécessairement depuis aussi longtemps que l'ensemble de la culture éthiopienne, c'est-à-dire depuis bien avant l'ère chrétienne. Mais puisque nous parlons ici d'art chrétien, bornons-nous à nous souvenir que lorsque l'Éthiopie est devenue chrétienne, elle possédait donc tous les éléments d'un art. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'évoquer la réalité de ce que put être le décor, l'ameublement des premières églises au IVe siècle de notre ère, nous sommes un peu perdus dans les ténèbres, et même pour des époques plus récentes, puisque, comme vous le savez, l'Éthiopie a été dévastée à bien des reprises, et surtout tardivement au XVIe siècle, en sorte que objets précieux, peintures, manuscrits, tout cela a été soit emporté, soit détruit. En dépit de ce peu de choses parvenues, il existe une forte personnalité, un génie éthiopien. Voyez-vous, et c'est quand on contrôle, enfin quand on étudie, oui, l'art éthiopien, il n'y a pas de doute que si on mêlait à d'autres œuvres, on les repérerait très vite. Il y a donc une personnalité, un art éthiopien. Alors puis-je vous demander, qu'est-ce qui caractérise cet art? D'abord, le premier des caractères, c'est que c'est un art essentiellement religieux. Voyez-vous, qui est à l'usage des prêtres et qui est un art purement dû au clergé. Ce sont les couvents qui ont été les réceptacles, ce sont eux qui ont divulgué l'art, voyez-vous, qu'on pourrait comparer ça à notre Moyen-Âge, si vous voulez. Tout de même, n'oublions pas que l'ensemble d'églises médiévales de la Libella, dans le centre de l'Éthiopie, a conservé, sur quelques points, des vestiges extraordinairement, c'est un miracle qu'ils aient été sauvés, des vestiges d'un art qui alors serait celui du XIIe siècle. Je pense ici aux croix de procession en fer forgé et ajouré, de très grandes croix
qui ne correspondent pas du tout à ce que nous imaginons par l'appellation de croix. L'une d'elles ferait un petit peu penser à une lyre au milieu de laquelle se déroulent des volutes, et au centre de ces volutes s'inscrit donc une croix. Ce sont des objets d'un art absolument indépendant de tout ce que nous pouvons connaître. Et puis alors, dans ces églises sculptées, peut-être devons-nous compter comme témoin de ce que peut être un art dessiné, le tracé de certains bas-reliefs très frustes, taillés en forme de plan, des figures des évangélistes, des figures de saints cavaliers, qui ornent entre autres le sommet de l'entrée d'une église. Les Éthiopiens sont des gens extrêmement pétris de christianisme. Voyez-vous, c'est tout l'art, toute la pensée baigne absolument dans la Bible, si vous voulez, tous les textes. C'est une très forte, hein, de fait. Et c'est la Bible jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui, on peut dire jusqu'aujourd'hui. On peut considérer comme négligeable l'art profane. Il y en a eu, sans doute, on a des textes, voyez-vous, de l'extérieur, qui nous décrivent des palais avec des décorations, mais il nous est pratiquement rien parvenu de ces palais. Je crois savoir que, selon la tradition, c'est en Éthiopie que sont conservées les tables de la loi. Selon la tradition éthiopienne, qui prétend que le jeune Ménélique, fils des amours du roi Salomon et de la reine de Saba, aurait, en retournant vers son pays, ou plutôt en partant vers son pays, emmené de Jérusalem clandestinement les tables de la loi. En réalité, ces tables de la loi jouent dans la conception de l'Église éthiopienne un très grand rôle, puisqu'on leur assimile la table de pierre ou de bois sur laquelle la liturgie est célébrée et qui tient lieu à elle seule d'autel dans le Saint des Saints. Donc, si nos Éthiopiens, dès les temps anciens, ont fondé leur notion de l'Église sur la conservation de ces tables de la loi, qu'ils croient d'ailleurs toujours conservées jusqu'à maintenant à Aksum, mais personne ne les a vues, absolument. Si donc ils attachent une telle importance à ces tables, il est certain qu'au cours de leur histoire, ils les entourèrent d'un faste particulier. On en a une idée. Si l'on songe à certaines descriptions de l'Éthiopie d'un auteur égyptien du XIIe siècle qui parle des cérémonies qui se déroulaient autour de cette arche d'alliance éthiopienne. Bien entendu, il ne reste rien de ce qu'elle put être en son temps de gloire, et aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est le fait que le Saint des Saints de l'Église, le petit habitacle cubique où les prêtres s'enferment pour célébrer la liturgie sans être vus par les yeux profanes, ce petit habitacle passe pour renfermer sous forme de la table d'autel un substitut de l'Arche d'Alliance. Qu'ils appellent Tabot, je crois. Ils l'appellent Tabot, et ces Tabot se sortent en procession le jour de l'Épiphanie, mais toujours caché aux yeux des profanes, recouvert de lourdes draperies de velours brodé d'or et d'argent, et porté sur la tête de prêtres qui ainsi ressemblent à des sortes de colonnes ambulantes. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Alors, Jean de Reste, déjà, vous nous avez parlé des croix. Mais je crois que c'est toute l'orfèvrerie médiévale qui est très riche. L'orfèvrerie médiévale reste très riche par les souvenirs que l'on en a et fut sans doute prodigieuse. Pensons que ces églises pouvaient être une véritable orfèvrerie, certaines étant même dorées extérieurement. Alors l'orfèvrerie utilisait à l'intérieur lutrin, icônes dorées et rehaussées de pierreries, les couronnes votives, les candélabres, le mobilier de ces églises qui fut pillé par les envahisseurs au XVIe siècle nous a tout de même été plus ou moins décrit. Il était très riche. Quant à avoir une idée plus précise de ce que c'était, eh bien, il faut songer à ces couronnes que le clergé et les diacres éthiopiens portent à l'occasion des cérémonies. C'est quelque chose d'extrêmement curieux de voir le prêtre et ses principaux assistants
couronnés de ces sortes de mitres cylindriques ou, dans certains cas, cubiques. En fait, cela s'explique très bien. Ce sont des couronnes votives déposées par les empereurs à l'occasion de victoires et consacrées à l'Église, et on ressort tous ces ex-voto le plus souvent possible. Un trait, en tout cas, qui est intéressant, c'est que c'est probablement de l'emploi de ces couronnes par le clergé éthiopien et nubien, puisque la Nubie était chrétienne jusqu'au XVIe-XVIIe siècle, c'est l'emploi de ces couronnes qui a dû faire penser à nos ancêtres du Moyen-Âge latin, que c'était là le pays des rois mages. Quand on assiste à des offices religieux de David dansant devant l'arche, n'est-ce pas, on est rejeté dans une période biblique. Avec de très beaux objets de culte. Les Éthiopiens ont été extrêmement brillants dans le travail du métal et du bois. Et vous le possèdez, des croix processionnelles de toute beauté, extrêmement ouvragées, avec une diversité, une invention de motifs. Et bien entendu, à côté de cette magnifique orfèvrerie, il devait y avoir des costumes d'apparat splendide. Absolument. En tout cas, tel que le costume liturgique éthiopien se présente aujourd'hui, il est extraordinaire. D'abord parce qu'il est loin d'être triste par le brillant des couleurs, des grandes capes, des manteaux que portent le clergé et les diacres, des rouges, des verts vifs, des bleus, qui font qu'un enterrement vu de loin en pleine campagne ne révèle absolument aucun signe funèbre. Ce costume, surchargé de broderies, complété des couronnes auxquelles nous avons fait allusion, embelli par le fait que le prêtre porte en général à la main une croix d'or ciselée fort richement, ce costume comporte aussi des accessoires. Il comporte entre autres le sistre, cet instrument de musique hérité de l'Égypte antique et dont le tintement sert à rythmer certains des chants sacrés. Le grand bâton, qui ne sert pas seulement à s'appuyer aux cours d'office, qui peuvent aller jusqu'à une douzaine d'heures, mais qui sert aussi à rythmer le chant, on l'élève ou on le manie, suivant des règles qui tiennent de la musique même.
Quand on prend un livre liturgique éthiopien, on est étonné de constater qu'entre les lignes se trouvent de minuscules lettres. Dans l'importante thèse qu'il a consacrée à l'Église éthiopienne, M. l'abbé Vera a résolu cette énigme. C'est tout simplement la notation musicale. Ces lettres sont tout simplement des abréviations de mots et le chanteur, le daptar, quand il lit son texte, regarde les lettres, ajoute les syllabes qui manquent, reconstitue de mémoire les mots sur lesquels il a une mélodie particulière en tête qui n'est pas la sienne, mais la mélodie dans l'église. Si vous aimez mieux, pour comprendre la chose plus facilement, nous pourrions dire « Nous sommes réunis aujourd'hui ». Une phrase qui, selon la notation musicale éthiopienne, peut porter ces signes. A, S, P, E. Le premier venu ne comprendra pas ce dont il s'agit. Au contraire, un autre qui est formé à la méthode éthiopienne comprendra que AS, c'est l'abréviation de « allons » et « PE », l'abréviation de « patrie ». Ce qui veut dire que le texte en question doit être chanté sur l'air de la Marseillaise. Et c'est comme cela que, dans la notation musicale éthiopienne, il y a ce qu'on appelle les « sarayou », c'est-à-dire les mélodies originelles que l'on se transmet oralement de génération en génération, et ensuite, il y a les autres mélodies qui sont bien moins importantes. Mais toute la question, voyez-vous, c'est la transmission orale de cette notation musicale, et c'est comme cela que j'ai pu enregistrer 7 km de bande magnétique et rapporter toutes les mélodies types qui ont été ensuite examinées et traduites en notation musicale européenne. Les chants religieux ont été enrichis dans leurs textes, mais aussi dans les modes, dans les façons de les réciter, puisque ces textes sont chantés, mais accompagnés d'évolutions du cœur des chantres. Alors, dans ce domaine, l'époque gondarienne s'est montrée d'une virtuosité extraordinaire, d'un sens musical et d'un sens même on devrait presque dire un sens du ballet, qui est quelque chose de très, très beau. Ah!
Est-ce qu'il y a une permanence dans l'art éthiopien? Oui, de fait, il y a une très grande permanence, malgré une très grande diversité. Oui, un deuxième des traits qu'on pourrait donner à l'art éthiopien, c'est que c'est un art extrêmement hybride, extrêmement syncrétique, qui est fait quand même d'une quantité d'apports extérieurs, d'apports du Proche-Orient, essentiellement, de l'Égypte, de l'Iran, même Sassanide, et même Achéménide au départ, et vous, enfin là, les premières manifestations de l'art éthiopien se situant au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et par la suite, on aurait des apports de Syro-Mésopotamien, des apports même de Cappadoce, des apports d'Arménie, et des apports byzantins, des apports d'Égypte, cette fois copte, après des apports même de l'Égypte toulounide et abbasside. C'est ça. Une très grande diversité. Et plus tard, peut-être aussi des influences occidentales. Alors, les influences occidentales aussi sont énormes, surtout à compter du XVIe siècle. À la période des grands voyages, quand les Portugais sont venus au début du XVIe siècle, on a la connaissance exacte même de la présence de peintres vénitiens ou portugais à la cour. On sait qu'un peintre vénitien, dès 1480, se trouvait en Éthiopie. On connaît son nom, Nicolas Brancaleone. On sait qu'aussi, en 1520, est venu avec une mission en Éthiopie, dont nous avons la relation du père Alvarez, est venu le peintre Lázaro de Andrade, que l'empereur de l'époque, Lebna Dengel, a demandé de conserver auprès de lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction entre le fait d'affirmer qu'il existe un génie artistique oui. propre à l'Éthiopien et de parler de toutes ces influences? Si, parce que ces influences, voyez-vous, ne sont pas, ont été assimilées, ont été digérées. Du fait qu'il y a un caractère, une personnalité éthiopienne, voyez-vous, à mesure, ces influences ont été digérées par l'art éthiopien, et restituées avec une personnalité éthiopienne, des caractères propres au génie éthiopien.